Merci d'accueillir Christian Blancard. Salut. Moi, j'étais dans les machines à laver. Je vendais des télévisions de couleur, noir et blanc d'abord, ça fait un peu vieux. Et puis, je suis un spécialiste du bricolage et des machines à laver. Je ne connaissais rien au luxe. Je suis rentré dans le luxe tout à fait par hasard, par accident. Un chasseur de tête, comme d'habitude. Alors, quand Alexandre m'a dit « parler de l'innovation », je vais vous dire, dans l'électronique grand public, l'innovation, c'est technologique. J'ai donc débarqué dans le luxe, et là, c'est autre chose, l'innovation. En fait, il y a trois clés pour comprendre le luxe. Je vous la fais court. Il y a d'abord la compréhension du client, et ça, c'est un sujet majeur, surtout aujourd'hui, quand on voit comme les clients évoluent et comme les clients du luxe changent, en particulier dans leur rapport avec l'objet. Beaucoup achètent des objets pour les revendre dans tout ce que vous connaissez, comme des sites internet en Chine, en France, comme Vestiaire Collective, etc. Donc on a un décalage entre la compréhension de la marque telle qu'elle est et puis la compréhension de la marque par les clients tels qu'ils sont. Et ce décalage entraîne une perte de pouvoir sur le luxe, sur la marque. Le deuxième point très important, c'est la cohérence des marques. C'est la cohérence qui est la clé de la compréhension du monde du luxe. Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on est incohérent? Est-ce que la distribution, le marketing, le merchandising, le service et le produit sont cohérents? Et c'est à travers le prisme de la cohérence et de l'incohérence que l'on comprend le luxe. Et enfin, dernier point, mais peut-être le plus important de tous, c'est l'innovation. Comment moi j'ai compris l'innovation en rentrant dans le luxe? Ben, je vais vous le dire. D'abord, quand je suis arrivé chez Hermès, j'étais donc PDG de Hermès Cellier, qui était la filiale la plus importante du groupe. Et la première chose que j'ai voulu faire, en fonction de ce qu'on m'avait appris, non pas à Dauphine, mais dans une autre école de commerce, certainement moins bien, mais quand même pas si mauvaise, là, on m'avait dit, t'es important parce que t'es PDG, tu décides. Alors j'ai pensé qu'une des premières choses que je voulais faire, c'est d'aller dans les vitrines, et en particulier dans celle du Faubourg Saint-Honoré, pour que les vitrines aient des produits qui m'aideraient à faire mon budget. Des choses simples qu'on vous apprend. Des choses simples que j'avais bien apprises en travaillant avec Darty, en travaillant avec la Fnac, lorsque je vendais des télés. C'est quand même important de mettre en vitrine des produits qui vous aident à réaliser vos objectifs. Donc je suis allé voir la dame qui dirigeait les vitrines, qui s'appelle Leïla Manchari, et je lui dis, Leïla, voilà, je suis... De toute évidence, je suis votre boss. Je n'ai pas dit cette bêtise-là, mais je ne suis quand même pas nul à ce point-là. Mais j'ai expliqué quand même que j'étais là, ce qu'elle savait, et que j'aimerais bien aimé qu'elle mette des produits que je n'arrivais pas très bien à vendre et que je voudrais qu'elle les pousse, quoi. Alors elle m'a regardé, puis elle m'a dit, ben ça sera non, jeune homme. Ah, c'est très ennuyeux quand vous sortez d'une école de commerce. J'ai dit, ça sera non. Mais pourquoi ça sera non? Alors elle m'a dit, mais ça sera non. Je ne ferai pas ce que vous me dites. Je mettrai ce que je veux. Alors j'ai dit, mais c'est pas du tout la règle. Je dois vous dire, en parenthèse, que mon ego en a pris un bon coup, là. Je me suis dit, dis donc, ça commence bien. Alors je suis allé voir le président de l'entreprise, qui s'appelait Jean-Louis Dumas, qui était propriétaire d'Hermès. Puis je lui ai dit, Jean-Louis, il y a un gros problème, quand même. Elle ne veut pas. Alors il m'a répondu... Mais c'est toi qui comprends rien. Tu comprends rien. Rien du tout. Il faut que tu apprennes, Coco. Tu vends plus des téléviseurs. Tu es dans le luxe. Et elle fait ce qu'elle veut. Et c'est la règle. Et elle a fait ce qu'elle a voulu. Quelques mois plus tard, l'ambassadeur des États-Unis m'appelle. Et il me dit, et il m'appelle moi 6 fois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut? Je le rappelle. Et il me dit, voilà ce qui m'est arrivé, monsieur. Je suis ambassadeur des États-Unis. Je viens du Texas. Je me suis dit, c'est un mauvais point, ça. Il doit être un peu lourdingue. Il me dit, je viens du Texas. Je suis allé... Vous savez que l'ambassade des États-Unis est juste en face d'Hermès, hein, la résidence. Je suis allé dans la vitrine, devant la vitrine. J'ai voulu acheter, pour l'anniversaire de ma femme, c'est pour ça que je l'ai appelé 6 fois, c'est demain. Je lui ai dit, je savais qu'il y avait une urgence, parce que c'est rare quand même qu'on m'appelle 6 fois. L'ambassadeur des États-Unis. Oui.
Ma femme, oui, mais parce qu'il y a, toujours des urgences, mais pas l'ambassadeur des États-Unis. Alors, il me dit, voilà, j'ai voulu acheter ce sac. On m'a répondu non. J'ai demandé le nom du président. Il paraît que c'est vous. Je dis, c'est moi. Alors, eh ben, je veux ce sac, c'est tout. Je ne veux pas discuter. Je veux ce sac, je veux le payer. Je veux l'acheter, je le veux. Et j'étais obligé de lui dire, écoutez, monsieur l'ambassadeur, il y a juste un problème. Il faut que je vous rappelle. Je suis donc allé voir Leïla Manchari, la même Leïla Manchari. Et je lui ai dit, Leïla, l'ambassadeur des États-Unis, il faut lui vendre le sac. Elle m'a dit, no way. No way. No way, mon pauvre Christian. No way. Tu ne l'auras pas, le sac. Et je dis, pourquoi je ne l'aurai pas? Tu ne l'auras pas parce que j'ai fait faire ce sac exprès pour la vitrine, mais pas pour le vendre. Pour que les gens souhaitent l'acheter et ne le trouvent jamais. Parce qu'il est à moi, ce sac. Je veux l'avoir pour mes prochaines vitrines qui auront lieu dans 3 ans. Car dans 3 ans, je vais récupérer ce sac. Donc ton ambassadeur, c'est le pape ou l'ambassadeur, je m'en fous, eh bien ça n'a aucune importance, tu ne l'auras pas. Donc j'ai rappelé l'ambassadeur, la queue basse quand même, hein, et je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je ne peux pas. Il m'a dit, vous rigolez, vous êtes CEO? Vous êtes CEO? Vous êtes le patron et vous ne pouvez pas me vendre un sac? Non, monsieur l'ambassadeur, non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est comme ça chez nous. Il y a des zones d'innovation. Enfin, je me suis empêtré dans des explications incompréhensibles pour un mec du Texas et qui n'a pas du reste avalé et compris. Heureusement, j'ai été l'accueillir. Je lui ai dit, on va vous acheter un autre sac. Il en a fini par en acheter un. En réalité, je conclue sur ce sujet d'innovation en vous disant 3 choses. D'abord, c'est absolument fondamental, l'innovation. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. La vraie question que je me suis posée et la vraie question que j'ai analysée et à laquelle j'essaye de répondre, c'est comment on organise l'innovation, comment on génère l'innovation dans une entreprise comme celle du luxe, où l'innovation et la créativité sont à la base même du succès, puisqu'il n'y a pas d'innovation technologique, il faut en trouver une autre. Et ma réponse, puisque j'ai très peu de temps et que c'est le principe de ce type d'exposé, ma réponse tourne autour de trois types d'actions, quoi. La première, qui va vous surprendre, c'est que je crois beaucoup à l'absence de hiérarchie dans l'innovation, dans la façon de générer l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut créer ce que j'ai souvent fait, des zones de non-droit, des zones où la hiérarchie n'intervient pas, des zones où vous avez le droit de créer sans avoir de contraintes financières ou de contraintes de temps ou de contraintes de la logique des affaires. En fait, il faut quitter la logique habituelle des affaires, donc il faut mettre au panier tout ce qu'on vous enseigne, en clair, ou tout ce que j'ai reçu, pour créer des zones où finalement, vous n'avez pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir hiérarchique. C'est exactement ça qu'on a fait avec Leïla Manchari. Quand elle demande des sacs, qu'elle les crée à sa façon, qui est particulière, des sacs qu'on ne vendra jamais, elle est dans une zone de non-droit. Et nous avons fait ça assez souvent pour générer l'innovation. Comme si la hiérarchie pouvait parfois être communautaire et qu'à travers des communautés, on pouvait accéder à des idées nouvelles, ce qui est vraiment le cœur du business, les idées nouvelles, l'innovation dans les formes, dans les couleurs, dans le toucher, dans le respirer, c'est dans les sens. C'est très difficile à générer. Ça, c'est le premier point. Créer des zones où rien, où tout est possible. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que je crois beaucoup au comportement des dirigeants pour générer de l'innovation. Parce que si vous dirigez une entreprise en générant la crainte de l'échec, et vous-même, si vous êtes un espèce de parapluie ennuyeux qui croit aux belles formules et qui n'accepte que les gens qui vous ressemblent et qui recrute que des gens de Dauphine, quel ennui! Donc, vous devez générer, je parle de Dauphine parce que vous êtes là, mais c'est pire avec HEC et l'ESSEC. Et donc, ils cooptent entre eux, c'est atroce. Donc, si vous voulez, il faut vraiment que les dirigeants... Je vous donne un exemple. Un jour, on a fait l'année de la musique chez Hermès. Et puis, l'année de la musique, on s'est mis à tous avoir des leçons de musique dans tous les magasins, partout, on a chanté, tout le monde a chanté pendant 1 an. Puis je me suis dit, moi qui dirige l'entreprise, comment je vais faire, quoi? D'abord, je chante comme une casserole. Et puis je me suis dit, comment je vais faire? Est-ce que je participe?
Alors finalement, avec une jeune femme d'Hermès, on a décidé tous les deux de participer. On a pris un cours, on a pris des cours de chant pendant un an, parce que franchement, c'est difficile d'apprendre une chanson. Et puis quand on a fait cette grande réunion au Bouddha Bar, où tous les magasins les plus performants sont venus chanter, à la fin, ils ont dit, puis maintenant on a un petit numéro avec deux personnes, des professionnels qui viennent d'ailleurs, etc. Et moi, je suis descendu devant les cadres, les actionnaires, etc., avec un bandana en rocker. Et puis, je me suis mis à chanter Goldman. J'avais choisi Goldman. Vous savez la chanson de Goldman, là, là-bas, là, vous connaissez, non ? Là-bas, tout est vrai et tout est possible. Vous connaissez ça ? Tout est juste et tout, là, libre continent sans grillage. Là-bas, tout est possible à mon âge, c'est le cas de le dire, du reste. Et on s'est mis à chanter comme ça, et en fait, pourquoi ? Bah pour créer encore la même chose, la même idée, un décalage. Ça, c'est la deuxième condition de l'innovation. Si vous ne créez pas des décalages, si on vous voit sous un prisme unique quand vous dirigez l'entreprise, comment voulez-vous que les gens innovent ? Ils sont juste coincés. Or, il faut décoincer les attitudes. Mais comment ? Et puis, il faut l'ouvrir à ceux qui sont comptables. L'innovation n'appartient pas à une catégorie particulière, mais à tous, en tous les cas dans le luxe. Le troisième point pour générer l'innovation, qui m'a toujours frappé, c'est, au fond, de partager, beaucoup plus qu'on ne le fait, l'esprit de groupe, en fait. Pas seulement d'avoir comme dirigeant des attitudes décalées, mais aussi de faire des choses risquées avec les autres. Je vous donne un exemple concret. Lorsque l'an 2000 est arrivé, moi j'ai décidé d'emmener tous les cadres d'Hermès à New York. Ils étaient 350, dont 200 n'avaient pas de passeport. Parce que dans les cadres, on met aussi les contremaîtres. Cadres et assimilés cadres. On est tous partis sur 6 Boeing, arrivés à New York, et là on a fait une fête énorme. J'avais réservé des chambres pour une nuit, parce qu'on devait le lendemain avoir une réunion de travail à 8 heures dans le magasin Hermès de New York, Madison. Et j'avais dit aux 300 personnes, moi, après le dîner, vous faites ce que vous voulez, j'ai retenu des chambres. Je suis allé me coucher vers 11h30, et le matin, à 6h du matin, 7h du matin, quand je me suis levé, parce que la réunion était à 8 heures, j'ai vu le directeur de l'hôtel qui m'a dit, monsieur, dites-moi, vous avez réservé 300 chambres ? J'ai dit, bien sûr, mais il n'y en a que 80 qui ont été occupées. Ben, je dis, c'est bien inquiétant. C'est bien inquiétant. Ils ont fait la fête, mais comme des dingues, dans toutes les boîtes de nuit de New York. J'avais prévenu, hein, si à 8 heures vous n'êtes pas là, ça va être le bordel. Hein. À 8 heures, ils étaient là, tous. Il n'en manquait pas un. Après, on est allé sur l'Hudson River pour chanter, danser. Je les ai tous emmenés là. Et puis après, on est rentré. Et le lendemain, ils étaient à Paris. C'est une action de fou. Mais c'est une action formidable. L'innovation, ça suppose quand même qu'on soit un peu dingue, mais qu'on soit aussi très réaliste. Si on veut l'innovation, qui est la clé du business, il faut vraiment être un peu différent. Merci.